سلام الاخوان، قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش تخلو ليا واحد جيم، بارطاجيو لا فيديو وتشتركوا بالقناه. نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دون سيت بارتي اون فا فوار سو كو سابيل سيري ابسولومون convergente. Donc on va voir définition, théorème et un exemple simple. Donc je vais commencer par définition. Qu'est-ce que signifie une série absolument convergente? Donc je vais commencer par définition. Définition. Une série n'importe quelle série, par exemple U de N, une série, une somme U de N est dite absolument convergente. Si, donc à condition, si la série une somme U de N en valeur absolue. Attention, si notre série a deux termes général en valeur absolue est convergente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le terme général de cette série en valeur absolue, vous voyez que tout converge, et que la série convergente implique que notre série est une série absolument convergente. Voilà. Bien sûr, il est clair que toute série à terme positif convergente est absolument convergente. Il y a que notre série a deux termes déjà un terme positif, donc c'est pas la peine parce que en valeur absolue, donc il suffit juste de calculer le terme là, il y a déjà positif. Donc, la question est convergente, donc implique à notre série est une série convergente. C'est très simple. Donc, on va voir théorème. 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 Donc, il dit quoi? Il dit que toute série absolument convergente est convergente. Donc toute série absolument convergente sont des séries convergentes. C'est très simple. Donc bref si vous voulez. Donc A C V implique CV. Ça veut dire quoi? A, ça veut dire absolument. CV convergente. Donc, absolument convergente, applique convergente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre série est une série absolument convergente. Donc, applique directement que cette série est une série convergente. Attention, had le flèche, radif, le sens, ouais, radif, le sens inverse. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre série absolument convergente implique directement que notre série est convergente. Mais, il y a quand il y a notre série convergente, elle n'implique pas que notre série est absolument convergente. Voilà. Donc, il y a un petit peu comme ça. Donc, attention. Bien, attention. Donc, attention, quoi? La réciproque est fausse. Yani, il y a que notre série convergente ne implique pas que notre série absolument convergente. Donc la réciproque est fausse.
Donc, ma question, c'est que j'ai un goût, puisque une trois séries est une série convergente, donc appliquer à une trois séries absolument convergentes. On m'a dit le terme de A positif. Donc, quand je suis fou, je ne forme mieux. Bien sûr, après les exercices, il y a une grave radio, c'est bon, Inch'Allah. Quand je fais des exercices, là, du coup, nous savons si je suis là. Quand je fais jamais une halette, il y a un tome à la table, les séries numériques. Donc, exemple. Par exemple, donc, quelqu'un m'a montré que cette série, donc une somme de moins 1 puissance n sur n au carré, donc moins 1 puissance n sur n au carré, est absolument convergente. Donc, qui va j'allais le montrer, on a de la série absolument convergente, donc c'est très simple. Donc voilà la réponse. Donc je vais commencer d'abord. On a notre série, donc une somme de moins 1 puissance n sur n au carré. Donc c'est créé sous forme une somme U de n. Donc avec U de n, il y a le terme général de cette série. Donc U de n égale à moins 1 puissance n sur n au carré. Donc implique un a U de n en valeur absolue, combien égale? Égale à moins 1 puissance n sur n au carré en valeur absolue. Bien sûr que moins 1 puissance n en valeur absolue c'est 1, donc 1 sur n au carré c'est n au carré. Voilà. Bien sûr, n appartient à l'ensemble n. L'ensemble n, l'ensemble qui a les nombres entiers positifs. Et nous les fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à plus l'infini. Mais fiche des nombres négatifs. Voilà, donc 1 sur n au carré, donc est. 1 sur n au carré, c'est quoi? Et bien sûr, à définir la partie loulat à le cours. Donc, s'il vous plaît, je réchauffe les vidéos. Donc, et 1 sur n au carré, c'est quoi? C'est un terme. T, ça veut dire terme. G, ça veut dire général. D'une série de Riemann. D'une série de Riemann. Qui, voilà, qui converge. Donc, d'abord la justification, car alpha égale à 2, il est supérieur strictement à 1. Tout simplement, alpha voit la puissance L. Donc, ce qui implique que notre série, donc une somme bien moins 1 puissance n sur n au carré, est une série absolument convergente. Implique aussi yani, qu'en plus on a notre série aussi est une série est convergente. Pourquoi convergente? Donc comme je chauffe le théorème, donc je chauffe le théorème, je finis on a toute série absolument convergente et convergente. Donc toute série absolument convergente et convergente. Donc voilà, puisque bien notre série elle est absolument convergente, donc applique directement que cette série est convergente. Voilà. J'espère que tu conserves tout de la vidéo. Maintenant, je partage les vidéos. Abonne-toi à la chaîne. Pose-moi les questions. Tiens, si tu as des questions, tiens. Donc, la vidéo prochaine, on va voir une série semi-convergente. Donc, je vais vous montrer une série semi-convergente. Et à très bientôt. لا تنسوا تخلوا لي واحد جيم، بارطاجيو لا فيديو وتشتركوا بالقناة.